Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de notre aventure sur Zelda Ocarina of Time. Je vous rappelle la dernière fois, on avait terminé tout simplement le temple de l'eau. Et dans cet épisode, on va, j'espère que je ne dis pas de conneries, mais normalement, on a besoin de se remettre en enfant. Parce qu'avant d'aller au prochain temple, en fait, il manque un item. Parce que si j'ai pas cet item, je vais galérer vraiment. Et du coup, on va directement y aller et aller chercher cet item. Donc, il me semble qu'on peut y accéder seulement en étant enfant. Et ça se passe dans le village Cocorico. Donc, normalement, si je dis pas de conneries, c'est bien ça. Donc, voilà, on va se mettre en enfant. Et on se trouve au village Cocorico. A tout de suite. Je suis donc arrivé au village Cocorico. Et, allez. Oh putain, un stick de merde. Et du coup, si je ne dis pas de conneries, c'est... Quelqu'un peut-il nous renseigner sur les autres sages? Merde, j'ai fait une petite connerie. Hop. Non. Ok. Bon, écoutez, je reviens ici, mais en tant qu'adulte. On est donc en route vers le village Cocorico, comme vous pouvez le voir. Allez, putain, et j'ai vraiment un problème avec mon stick, ça me casse les couilles. Je sais pas. Bref, on va pouvoir s'y rendre, et là, normalement, si j'ai pas de conneries. Ok, c'est bon. Arrière, Link. Bien, tu reviens à toi. Link, un grand malheur vient de se produire. Le monstre de l'ombre s'est échappé. Impa, chef du village Cocorico, a jadis combattu et enfermé le monstre de l'ombre au fond du puits. Mais depuis longtemps, cette bête, grâce à l'influence de Ganondorf, rassemble ses forces pour enfin recouvrer sa liberté. Impa est partie sceller le temple de l'ombre, mais elle sera en danger si personne ne vient lui prêter main forte. Link, Impa est l'une des six sages. Va détruire le monstre de l'ombre et sauve Impa. L'entrée du temple se trouve sous le cimetière de ce village. La seule chose
en mon pouvoir de t'apprendre la mélodie t'ouvrant le passage vers le temple de l'ombre. Cet air te plongera dans les ténèbres abyssales, hors du temps et de l'espace. Entends le nocturne de l'ombre. Vous apprenez le nocturne de l'ombre. Je vais m'occuper du village. Je compte sur toi, Link. Ok, on est parti. Et normalement, il y a un truc à faire dans le puits, mais je suis pas très sûr au final. Ah, peut-être. Oui, mais oui. Ah ben non. On va écouter, on va juste TP au temple, au prochain temple, et c'est maintenant du coup. Merde. Oh là là, c'est pas possible. Non. Et voilà, je sais pas si vous vous rappelez, mais nous, en étant enfants, on est allé là. Et cette fois-ci, on est juste ici. Donc on va pouvoir y aller. Je sais que pour ouvrir le temple, il va me falloir ça. Et je sais pas comment je vais faire sans le monocle de vérité, qui est censé quand même être un objet très important. Ok. On est parti pour faire le temple de l'ombre. Le temple le plus glauque du jeu. Seul le déteneur de l'œil de vérité du village Cocorico sera porté par les ombres. Alors ça, je m'en souviens très bien. Je connais assez bien le début en vrai. Et du coup, là, je sais où je dois aller. Seul le gardien de l'œil de vérité pourra scruter les tréfonds obscurs. Allez. Temple de l'ombre, ici sommeillent les légendes sanglantes d'Hyrule, faites de haine et de cupidité. Repose au fond des ténèbres, pièges vicieux, trappes sournoises et l'ombre qui masque le chemin. Et voilà, on y est. Je vais m'équiper des meilleurs systèmes. Genre, je pense que je vais prendre des flèches de feu. Ah ouais, j'ai pas beaucoup de magie. Ouais, non, enfin, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Go, go, go!
Donc je fais pas de dégâts si j'ai pas d'autre item que l'épée. Non, putain, il y a deux mains qui m'ont attrapé. Ok. Je vais prendre l'épée. Alors, l'épée du Gorong que j'ai acheté. En fait, c'est une fosse. C'est une fosse. Et en fait, c'est une énorme quête. Une énorme quête qui est censée être faite pour avoir l'épée. Donc, si vous voulez que je fasse la quête, donc n'hésitez pas. Vous avez plusieurs choix. Ou je fais la quête avec vous. Ou je fais la quête de mon côté. Ou alors je fais la quête. Ou alors je fais pas du tout la quête et je récupère pas l'épée Bigoron. Voilà. Ça vous décidez dans les commentaires. Voilà. Le commentaire le plus liké ou la proposition la plus demandée sera faite. Et du coup, déjà un nouvel item. Et voilà, les bottes désert. Du coup, on a toutes les bottes. Je les équipe déjà, même si c'est pas la meilleure des choses à faire. J'ai quand même déjà les équipés. Alors, ce temple, il a un lien direct vers la mort. Je sais pas ce qui aurait passé par la tête chez Nintendo. Mais oui, voilà, c'est le temple. C'est un temple très sombre, d'où son nom. Mais oui, il a un rapport direct avec la mort et tout ça. Et on verra ça plus tard. Pointe mon bec vers le crâne de vérité. Une erreur te plongera dans les abîmes infernales. Alors, normalement, si je ne dis pas de conneries, je sais pas si ça change. Et on va essayer. Ok. Et du coup, maintenant, si je viens là. Et voilà. Et du coup, on va pouvoir passer à la suite. Donc. Allez! Voilà, donc quand je disais qu'il y avait un rapport direct avec la mort, je ne mentais pas du tout. On peut voir rien qu'avec ces deux personnages, ces deux espèces de statues. Hop, non. Merde. Ok. Ok, c'est bon. C'est bon, parfait. Là, je récupère ça. Parfait. Ok. Ensuite, Ok, allez, voilà.
Ok, non, là il n'y a rien. Ou alors ça a explosé. Ok, là il y a quelque chose. Oh non. Oh. Une momie, j'avais pas souvenir de ça. Ah, il y en a une deuxième. Oh putain. Ok. Et un coffre. Oh, le monocle. Non, j'allais dire le monocle de vérité, mais non. Je pense que ce sera surtout la carte ou le. Ou la carte ou. Ou alors le. Ouais, voilà, la boussole. Go. Let's go. Prince, j'ai fait en sorte. Normalement, là, on m'entend bien, normalement. Donc, j'ai essayé de. Je peux pas juste utiliser le marteau. Non. Est-ce que je peux utiliser les bombes? Je sais pas pourquoi j'ai. Normalement, ça, je peux les buter avec des flèches. Oh mais non. Et du coup, exactement. Et la petite clé que j'avais besoin, c'est pour ici du coup. Et qu'est-ce que nous avons? Ah, je crois savoir où on arrive. Déjà face à une sculpture là. Trop parfait des cœurs. Par contre, je glisse beaucoup avec ça et je crois. Non? C'est pas ici? Je les entends. Ouais, ils sont là. Oh putain. Ils sont amusés, hein, avec ces putains d'araignées. Ah putain, c'est ça. Voilà, donc là, on voit un petit peu les instruments de torture de la famille royale. Prends garde à l'ombre à des monstres qui apparaissent au plafond. Au plafond. Alors. Ah là là. Mais. Eh ben. Là, on voit que c'est pas la même chose. Parfait. Par contre, j'ai vu des flèches. 8. Oh, un cœur. Ouais, là, j'en ai besoin des cœurs. Ah merde, j'aurais peut-être pu passer au-dessus en vrai. Ouf. Ok. Vas-y, Link, fonce. Ah bah non. Link! Putain, il y a mon stick, il a un gros problème, il se me casse les couilles. Parce que du coup, j'avais du choix pour le temple. Il me semble que le boss, il faut le faire avec le monocle. Oh, je ne sais pas. Mais on verra. Ça y est, l'épée est brisée. Parce qu'en fait, c'est pas la vraie, c'est une fausse. Donc, comme oui, je l'ai dit. Comme j'ai dit, si vous voulez que je fasse tout. Tous les. En fait, que je fasse l'épée en vidéo. Ou. En fait, vous me le dites si vous voulez que je fasse en vidéo de mon côté ou pas du tout.
Ah, d'accord. Ok, deuxième tentative. Ok. Ouf, j'ai eu chaud. J'ai enlevé les bottes là par contre. Je glisse beaucoup trop. C'est injouable. Voilà. T'as craqué? Putain, par contre, les trucs Discord, faudrait que je les enlève. Non. L'a manqué, mais où? Ah, donc il faut absolument que je le bute. Oh, est-ce que je peux pas juste faire... Oh! Ah, et après je mets une bombe. C'est un truc comme ça, je crois. Oh! Parfait. Là, il y a trois coffres à avoir. J'ai eu chaud. Et là, je peux déjà avoir un coffre. Ah, d'accord. Là, il y a quoi? Oh, une sculpture là dehors. En vrai, ça, c'est bien. Je vais prendre le grappin. Et voilà. Il y en a combien? 14. Ah, 14. Il y en a 100. Ouais. Ah. Ouf. Ça y est, ça commence. Oh putain. Oh, je sais comment il y a ces gros trucs là, ils essayent de nous... Après, je peux peut-être monter dessus, hein. Eh ben non. Ah, attendez. Non. Bon, ben, je suis mort. Ouais. Bon. Plus de fées. Là, ça va être chaud. On voit bien que c'est le dernier temple, hein. C'est pas le dernier, mais c'est pas loin. Oh, là oui, le panneau évidemment, il me dit. Un œil de vérité révélera le bouclier de pierre, seule défense contre la nuit des... Hein? Donc il y aura un... Je suis sûr, il faut exploser ce mur. Non.
Bon bah écoutez, je vais voir sur YouTube comment on fait du coup pour débloquer parce que j'ai tout utilisé, non? Ou alors je vais aller essayer un truc. On se retrouve juste après. Ok, donc on se retrouve après des recherches et aussi du coup comme je trouvais pas, j'étais sur YouTube, je suis désolé de faire ça, mais bon, j'étais vraiment coincé. Pour moi, c'est un endroit de merde. Parce que oui, ce gars il nous a appris une musique. Pourquoi on ne la chante pas devant lui? Merde. Oh putain. Donc c'est A, bas, haut, A, bas, haut. Voilà. En fait, apparemment, il faut utiliser la musique qu'il nous a appris. Ben oui. Faire accélérer ce putain de moulin. C'est comme ça qu'on avait d'ailleurs, je crois, vidé le puits. En adulte, je crois qu'on avait fait comme ça. Et voilà. Exactement. Putain, c'est pas con. Et en fait, ce temple se fait en enfant. Enfin, le puits en tout cas. Et après, il faut aller en adulte. Et c'est un enfer ce truc. C'est génial. Ok, let's go. Et normalement, si je vais dans le puits, je suis censé pouvoir venir ici. Exactement. Ok, c'est parti. Ah oui, voilà, puits. On est donc parti pour ce mini-temple, comme on pourrait dire. C'est un mini-temple. Allez. Ah. Alors, je crois que le squelette il nous dit qu'on peut passer comme ça. Mais je ne suis pas sûr. Là, normalement, je vais devoir vider ça. Là, ça va être un enfer. Alors, avant que j'oublie, les petites bombes. Faut que je les sorte. Parce que. C'est la mort, ça? Oh! Ça va, c'est facilement. Mais normalement, du coup, les trucs comme ça, on peut, il me semble, les casser. Avec des bombes. Exactement, putain! Et du coup, une petite clé, j'imagine. Oh non, les missiles! Oh! Les missiles, ça va être très utile. Du coup, let's go, on peut avancer un peu. On peut s'enfoncer dans le truc. Je dirais qu'il y a un truc là. Non? Ah si, oh putain, moi, je suis vraiment. Et là, il me semble qu'il y a des. Oh non, putain. Oh, ok, des nombojo, pas utile. Là, il me faut une clé, ok. Là. Prends garde à l'ombre des monstres qui apparaissent au plafond. Ah, c'était sûr. Ah oui, putain. Ah, ça, c'est un truc, ça a fait flipper beaucoup de gens, apparemment. Déjà, il y a des. Voilà, il y a des mains dans le sol. Et là, je crois que. En cassant ça. Normalement, il y a moyen d'avoir un coffre. Je vais voir comme ça, avec mon rang non plus. Non, putain, il m'a eu. Je suis vraiment trop con, putain. Allez, allez, allez. Allez, il faut que je le bute.
C'est ça. C'est tombé qu'il y avait masse truc. Ah oui, des effrois. Je crois qu'il y avait masse effroi dans cette zone, mais apparemment, non. Apparemment, il n'y a pas d'effroi ici. Mais par contre, il y a la carte. Regardez-moi. Même la carte, on dirait quelqu'un qui est quelqu'un de mort à terre. Oh, merde. Putain, y a un effroi. Mob de merde là. Et ici, il y a encore un truc. Ok, facile. Tac, tac. Non. Tac, tac. Voilà. N'y a rien ici? Ah non. Bon, bah écoutez, autant pour moi. Bon, l'autre il a disparu. Alors, ils sont où les. Il me semble qu'il y avait une salle avec masse effroi et que là il y avait un coffre. Mais il y a un. Non, non plus. Ça, c'est juste pour des pauvres. En vrai, j'y crois pas du tout, mais bon. Au cas où, on va croire le jeu. Croire entre guillemets, je suis sûr il y a un truc, il faudrait la boussole. Et c'est ici, je suis sûr c'est ici. Non, recule. Non, je ne comprends pas. Bon, bah écoutez, on va remonter, hein. Mais s'il y a vraiment rien, on va remonter, hein. Après, je crois pas du tout. Parce qu'il me semblait qu'il y avait. En fait, la salle, pas vraiment une salle, c'est un chemin. Et au bout, il y a quoi? 4 effrois et un grand coffre au milieu. Avec peut-être la boussole ou le monocle de vérité. Parce qu'il n'y a pas de boss ici. On n'aura pas besoin de faire un boss. C'est vraiment juste, je bats le. Enfin, je trouve le monocle de vérité. Ah, et puis je peux partir. Donc, let's go. On sort. Et ça se referme. Ah! Non. What the fuck? Ah, si, je suis revenu à l'entrée. Ok. Oui. D'accord. Alors je sais qu'il y a d'autres trucs évidemment. Par contre, je suis désolé pour tous les trucs Discord. Il faudrait que je pense avant de faire une vidéo. Il faudrait que je pense à chaque fois à mettre en ne pas déranger pour pas avoir de notif. Et il faut une clé. Ok? Alors, allez, allez. Allez! Ah, d'accord. Ok, donc. Là. Ok, donc il y a vraiment que. Je peux vraiment sortir que d'un seul côté. Ah, et là, il y a un autre chemin en fait. D'accord. Par contre, les espèces de tête là, c'est un warning en mode non, tu peux pas passer, c'est un piège et tout. Là. Ah. Je sais pas si je peux. Ah, si je peux clairement passer derrière. Bah oui. Évidemment. Par contre, le coffre, je peux pas l'avoir maintenant.
Je pense qu'il faudra que je baisse l'eau, mais enfin oui, il faut que je baisse l'eau. Mais comment déjà? Je ne sais plus. Oh putain, il fallait faire quoi ici? Je ne sais plus. Je vois une momie. Il faut allumer toutes les torches. Oh, dégage. Oh, what the fuck? Alors ça par contre c'était chelou. Non. Alors là je suis dans la merde, hein. Clairement je suis dans la merde les gens. Ok. Donc là je vais prendre... Ah putain. Bah oui, j'ai pas accès. Ah mais non. Je vais faire une connerie. Bah oui. J'ai des bâtons. Merde. Oh d'accord. Et en gros, il y a une tombe qui est la tombe correcte. Oh, d'accord. Oh non, j'ai plus le bouclier. Et du coup, il y a quoi dedans? Des cœurs. Ok, donc c'était un piège, il n'y a rien de spécial là-dedans. Ah, ok, d'accord. Ça fait ça pour tout. Eh ben. Il est revenu à la vie, le truc. Oh putain. Oh là. Mais non, mais. Ok, là, je peux le taper. Avec facilité. Et en même temps, je fais pas assez de dégâts, comme du coup je suis un enfant. J'ai vraiment l'épée de base du début. Oh putain. Oh putain. Dégage, dégage. Oh là là là, il me fait tellement de dégâts. Celui-là il fait quoi? Oh, il y a encore des bêtes. Ok. Oh, une clé. Au cas où pour voir ce qu'il y a dedans. Parce qu'à tous les coups, il y a aussi une clé. Bon, déjà, il y a... Non, il y a rien. Okay. Je peux déjà me casser. Ok. C'est une salle très bizarre. Très bizarre et très glauque. Comme le deuxième temple qu'on va faire, du coup. Et qu'on a déjà commencé, du coup, je vais faire les deux en même temps dans cet épisode. Il sera très long. Mais... Je peux pas faire. J'ai pas envie de vous laisser avec le début du vrai temple. Oh, la mort, c'est la mort. Oh, bah tant pis. Oh là là, caméra. Bon, bah, vous savez ce que je vais dire. À tout de suite. Ok, donc. Ça, je sais. Ah d'accord, c'est comme ça que je fais, j'abaisse l'eau du truc. En gros, il faut juste vous voyez au sol, hein. Vous la voyez. Et quoi? Je préfère, oui. Donc je m'étais juste mal placé, j'imagine. Et voilà.
Alors par contre, juste 2 petites secondes. Ok. Il y a un truc là, je suis sûr et certain. Oh là là. Avec des bombes. Ok, c'est de la merde. J'ai toujours ma clé. Et du coup, je vais retourner chercher l'autre coffre en bas. C'était ici, hein? Ouais. Donc là, normalement, je fais ça. Et là, voilà. Facile, simple, efficace, voilà. Ok. Bon, je vais de l'autre côté de la map, du coup. Et normalement, ici. Ah non, je peux rien faire là. Donc, je vais aller à la porte. Je sais plus où est la porte. Il y avait une porte verrouillée, mais où? Là. Ok. Sérieux, putain. Donc, putain, merde, et ouais, j'ai plus de trucs. J'en ai marre. J'en peux plus, putain. J'arrête pas de tomber là. De tomber dans ces putains de trous. Ouais, bah écoutez, c'est la vie. Ah, putain. Oui, écoutez, vous savez ce que je veux dire. À tout de suite. Alors, je viens de me rappeler, mais oui, il y a ici aussi. J'étais en train de me faire chier dans l'autre salle, mais ça. Ouais, des bombes. Pas ouf. Par contre, ici, il y a vraiment quelque chose à faire, je suis sûr et certain. En vrai, ça aurait été bien qu'il soit là le monocle de vérité. En vrai, ça aurait été trop bien. Mais non. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ouh. Oh non, t'es sérieux? Il est là. Lâche, 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 lâche. Lâche, ok. Là, je vais le laisser par contre venir. Pour pas me faire choper par ces putains de mains. Ok. Ok, go, maintenant, maintenant. Go, 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 go. Non. Oh, le bug. S'il te plaît, dis-moi que tu vas te détacher. Ok. Non, putain. Il est à côté de moi. Ok. Défoncer la gueule. Oh. Non, 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 non. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Vite. Moi, je suis mort, en fait. Je vais pas tenir longtemps. Hein. Alors, si tu veux bien crever. Non, mais sérieux! Que je touche sa tête. Oh putain, encore ce bug. C'est la deuxième fois qu'on le bat dans cette vidéo.
pense que je vais crever. Mais je me disais bien que je vais le battre ici. Je me disais bien que je vais le battre dans le puits aussi. Le monocle de vérité, c'est bon, on l'a. Donc écoutez, on se retrouve tout simplement là où on s'est arrêté dans le temple de l'ombre, mais cette fois-ci en adulte. Allez, à tout de suite. Je suis actuellement en combat et je crois qu'il peut peut-être tomber lui. Parce que ça m'est déjà arrivé juste avant, avant d'aller dans le puits, qu'il est tombé comme une merde, et du coup, ben, j'avais même pas besoin de le terminer. Alors. Bot. J'ai eu chaud. Ok, donc ici. Ah, d'accord. Ok. Donc, d'un coup, c'est plus facile. C'est cool. Et oui, par contre, le modèle de vérité, je vais pas le laisser activer parce qu'il utilise de la magie. Donc, hop. Allez. Et là, après, il n'y a rien à faire, j'imagine. À part... Ah, attendez. Je monte au-dessus. Non. Ok, donc j'imagine qu'il faut que je le fasse passer. Alors, je sais pas si c'est ça qu'il faut faire. Et après, là, je... non. Je consomme beaucoup trop de magie, je crois. Ah, d'accord, je comprends mieux. Et ensuite, je peux... Non. C'est chaud. Et là... Non, mais non. Non. Alors, ça, par contre... par contre, j'ai enlevé quand même les bottes, parce que c'est ça qui me fait tomber. Donc il est, je crois que du coup j'en ai deux là, exactement. Une clé, ok.
Ah ben non, mais il est où l'autre? Oh! D'accord. De la merde. L'aérien, ok. On va pouvoir sortir de cette salle. Elle a vraiment été galère du coup. Comme je n'avais pas le monocle de vérité, mais en fait c'était facile. Okay, donc là on est de retour ici. Ok, j'ai trouvé. Bien sûr. Oh bah oui. Ah, c'était sûr. Cet épisode, il va être long, hein. Qu'on a deux choses à faire. Et... c'était sûr. Toi, c'est très peu de magie, par contre. Par contre, il a failli me bouffer ce truc de mort là. Je prends vraiment très cher. Non plus. Maintenant, il faut que je sache ce qu'il faut que je fasse. Non, c'est pas ça. Ah, d'accord. Hop, et on avait une autre là-bas. Et si j'arrive à la voir d'ici? Oh! Alors là, c'était beau. C'était très beau. Parfait. Et voilà. Alors là, bat les couilles. Je prends vraiment très cher. Par contre, j'ai enlevé le monocle de vérité comme un con. Et du coup, maintenant, je n'ai plus rien. Du coup, j'ai peut-être enlevé la masse du héros, je sais plus trop quoi là. Parce que, voilà, c'était sûr. En fait, Là, ça se voit, j'ai la boussole, donc c'est facile à trouver. Non, je suis venu ici pour juste pour ça. Ok. Je vais crever.
Ok. Si, si. Ok. C'est quoi ça? Ah, oh. Oh non. Sache comment. Ah, attendez, est-ce que je peux pas. Est-ce que si je l'ai. Oh putain. Voilà. Je sauvegarde et du coup je suis à nouveau à l'entrée, j'imagine. Exactement. Donc écoutez, on se retrouve là-bas. À la. Donc, fallait leur dézinguer la gueule. J'ai pas trop envie de m'approcher pour pas qu'ils me bouffent. Crève, crève. Là, Link, il est prêt à attaquer. Ok. Petit coffre. Intéressant. Mais je sais toujours pas comment je peux faire pour avancer. Allez, Link, c'est vraiment un enfer de contrôler Link. Allez. Ok. Non. Les avoir comme ça. Attends. Non, je vois pas. À moins qu'il y ait un truc ici. Fait, dans ce temps, il faut vraiment chercher partout. Ah, 1 heure de vidéo. Du coup. C'est un enfer, putain. Oh, voilà. Simplement. Oh non. Sérieusement, je suis passé à côté.
Alors, j'espère que mes souvenirs sont bons sur ce que je vais dire. Normalement, oui. Excusez-moi. Donc, voilà. Et ouais, alors là, par contre. Quoi? Oh oui. Et c'est pas ce qu'on cherche, évidemment. Je crois que je, en fait, je crois qu'en fait, je suis en train de faire un truc inutile. Let's go. Et ah non, si c'est bon. Par contre, j'ai quand même une sculpture là, je vais la prendre. Je vais la prendre même si du coup je vais pas faire 100% de cellules tout là. Parce que j'en ai quand même que. Là ça va seulement être ma 15e. Il y en a quand même 14. Enfin il y en a 100, ça va être la 15e seulement. Ça va être chaud. Donc let's go. Let's go. Ok. Aïe 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 aïe. Je vais reprendre le monocle. Que le de vérité c'est vraiment trop important ce truc. Fuck? Ça va pas être aussi facile que ce que je pensais. J'étais à côté. Hein. Par contre, je perds pas beaucoup de magie avec ce truc. C'est cool. C'est très chaud. Ouais, c'est un peu trop loin, hein, en vrai. J'ai fait un truc. C'est un peu con, mais j'ai essayé. Non, ça n'a pas été prévu pour faire ça. Ok, ça va être plus chaud que prévu. Mais non. Okay. Oh, alors ça par contre c'était beau. Je sais pas que je pouvais faire ça, mais bon. Vite, juste me coller à ça. Voilà. Et là, faut enlever. Non, je crois qu'il faut même mettre les bottes comme ça. Ouais.
Mais non, la porte est ouverte, merde. Ok, let's go. Oh non, sérieux? Là, je tourne mon stick à mort. Oh. Tourne, tourne. Ok. Voilà. En vrai, ça va, c'est pas trop chaud. Mais par contre, ouais, forcément un truc à faire. Oh, peut-être jouer une mélodie. Je dirais qu'il faut que j'utilise le truc de Zelda là. Ah ben non. Pourtant il y a un coffre. Non plus. Je sais pas. Non, je vais pas partir de cette salle donc j'aurais pu trouver. Non. Oui. Je suis retourné, putain. Oh là, j'étais en train de me faire chier avec ça. Ok. D'accord. Non, mais oui, ok. Bon, c'est pas où je veux aller du coup. Ok, par là. J'ai oublié. J'ai quand même failli oublier les bottes, quoi. J'ai plus de clé, je fais comment? Allez. Ouh. Oh, l'objet du temple. Ah non, c'est un petit coffre. Je croyais que c'était l'objet du temple, mais pas du tout. Il est où? Putain, je vois. Ah là, je vois rien dans ce temple, c'est horrible. Non. Ah oui, mais. Oh là là, je suis vraiment. Mais oui, putain. Et là, il y a la clé. Et voilà. Ouf. Oh. Ok, donc ça, faut que je le bouge et du coup j'aurai un raccourci pour ci. Ça, faut que je le pousse. Et ça, là en fait, à côté, il y a un truc pour monter.
Et ça, c'est un raccourci. Simplement pour revenir ici, si jamais on vient crever, je risque clairement de crever. Mais on n'est pas loin de la fin. Et ça, c'est cool. Ok. Allez, go, Link. Et voilà. Là, on retrouve la Triforce. Let's go. Il y a quand même un bateau dans le temple, hein. Mais ça choque personne. Alors. Oh putain, ils sont deux. Oh, l'autre, il est tombé comme une merde. Faut que je me dépêche, sinon on crève. Ok, j'arrive bientôt. On y est. Et là, si vraiment je me dépêche pas, je crève. Ok, alors. Link se me vire sombre, vite, mets-toi à l'abri. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà ici? Je ne sais plus. Allô? Allô? Je ne sais plus. Je crois que je ne me suis pas pris de dégâts, mais je ne suis pas sûr. Je vais aller voir autre part. Et non, je ne prends pas de dégâts. Ok. C'est vraiment un enfer ce temple. Ok. Une heure 16 de vidéo quoi. Ce sera vraiment la vidéo la plus longue de ma chaîne, surtout sur Ocarina of Time quoi.
Ok. Le dernier. J'ai utilisé toutes mes bombes. Ok. Les rubis. Ah ben non, je suis full rubis. Non. Par contre, c'est que t'es pour ça, j'ai le seum. Hop. Bon, on va retourner voir l'autre pièce. Joue ce truc. Ok. C'est ici. Oh. Je vais peut-être. Voilà. Laisser. Sérieux? Ok. Voilà. Du coup, il faut que je trouve une porte à clé. Alors ça, c'est pour plus tard. Je pense que c'est ça, mais du coup, pour la clé là, enfin pour la porte là, c'est peut-être aussi pour plus tard. Ouais, c'est ça. Bon. Bah écoutez, on va retourner à l'autre pièce, là où on est arrivé avec le bateau. Donc la porte, elle est par là. J'ai plus de batterie. L'épisode est tellement long que j'ai plus de batterie. Et je ne vois que dalle. Vraiment, je veux dire, je sais pas si vous, vraiment, si chez vous, vous ne voyez pas non plus. Je suis vraiment désolé, mais moi non plus, je vois rien. Donc, peut-être à coup de flèche de feu. Oh putain, parfait. Alors là, c'était beau. Allez. Let's go. Merde. Donc là, on est devant le boss. L'épisode va bientôt se terminer, j'espère qu'il vous aura plu en tout cas. Et ici, bon, tu vas pas me mentir, je sais que j'ai besoin de l'ocarina et de faire le chant du temps. Donc, allez, ok, c'est parti.
Non? Ok. Bon, on se retrouve à la pièce. Ah, ben mauvais sale, j'ai repris au mauvais moment. Coupure, encore une fois. Et on y est, du coup. Exactement. Du coup. Oh. Non, c'est sûr, il faut faire un truc avec le feu. Il me semble que c'est ça. Feu. Hop. D'accord, c'est ça. Oh putain, en plus, il y avait ce mob de merde là. Crève là. Même si t'as déjà bien souffert avec la famille royale, bah les couilles, tu crèves. Et c'est parti, on peut enfin aller au boss. Donc écoutez, je vous retrouve à la salle à laquelle on s'est arrêté. A tout de suite. Bon, écoutez, je suis avec. J'ai pas de sang, pas de vie du coup, tout simplement. Ouh. Et il donne pas de vie ici? Bon, écoutez, quand. C'est parti. Je vais crever, clairement. J'ai clairement crevé. Et aussi, j'ai failli oublier. Alors, je sais bien comment on le combat. Et c'est comme ça. Voilà. On est parti. Bongo Bongo, monstre de l'ombre. Voilà. Bon, écoutez, on se retrouve ici. Deuxième tentative. Let's go. Face à Bongo Bongo. Par contre, je sais pas si c'est moi qui ai ici, mais j'entends clairement que le boss il dit bongo bongo. Bien sûr, moi je suis pas le seul à entendre qu'il dit bongo bongo. Je ne sais pas. Peut-être que je deviens fou. Non, je suis pas fou. Oh, sale bâtard. Il m'est vraiment très cher. Oh! Go.
Non, putain. Bon, ben, il y a encore une coupure, hein, tout de suite. C'est reparti. Là, normalement, je suis vraiment très bien. J'ai plus de flèches. Non, mais sérieux. Dis-moi que je peux faire ça au grappin. Oui, je peux faire ça au grappin. Avant, rapidement, petite flèche. Ok. Ok, c'est bon. Let's go. Du coup, oui, par contre, lui, il est, apparemment, lui, serait quelqu'un qui aurait été torturé par la famille royale, tout comme les autres, hein, d'ailleurs, les effrois, je crois que c'est la même chose. Mais on y est, ça y est, c'était très galère. J'aurais eu 3-4 morts, et en vrai, très chaud. Mais bon, on l'a enfin terminé, c'était galère. Et en plus, j'avais été chercher une fée et tout. Je l'avais eu et elle m'a été inutile, putain. Oh là là, mais ça. Au moins, on en a une pour le prochain épisode. Donc écoutez, on va pouvoir prendre le cœur et terminer cet épisode avec le dialogue. Jeune garçon à l'ocarina, enfin tu es venu. Mon nom est Impa de Sheikah. Je suis la nourrice de la princesse et le sage du temple de l'ombre. Depuis des siècles, les Sheikahs furent les serviteurs secrets de la famille royale d'Hyrule. Toutefois, il y a 7 ans, Ganondorf lança son attaque et le château d'Hyrule dut se rendre. Après une très courte bataille, Ganondorf était à la recherche de l'une des clés du Saint-Royaume, le trésor secret de la famille royale, l'Ocarina du Temps. Mon devoir était de mettre la princesse Zelda à l'abri. Je me souviens t'avoir vu lors de notre fuite. Tu es devenu un valeureux guerrier. La princesse est à l'abri maintenant. Très bien. Très bientôt.
Zelda viendra tout expliquer. Une fois les six sages réunis et le roi sombre détruit, la vérité te sera révélée. Mon devoir est de rester ici. Trouve la princesse Zelda et protège-la à ma place. Je veux maintenant te transmettre mon pouvoir grâce à ce médaillon. Et voilà. Merde, j'ai gâché toute la cinématique. Par contre, oui, il faudra pas que je fasse cette erreur lors du combat final. On va sauver le médaillon de l'ombre. Impa se révèle être une des sages et vous confie son pouvoir. On était quand même déjà au courant, hein, grâce à Sheik. Sheik, et d'ailleurs, on se connaîtra bientôt son identité. Prends bien soin de la princesse. Et voilà, on a fini. Bon bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve donc demain pour Hysteria. Donc likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Allez, à demain pour Hysteria. Ciao!